Bonjour cher ami Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui seront présentes pour vous pour ce mois de juillet 2021. Avant toute chose, je tiens à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous abonner sur cette chaîne-ci. Un grand merci du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Et d'ailleurs, sachez que j'ai également un compte Instagram où là, je vous crée des guidances sur l'instant même. Ce sont des posts qui sont extrêmement appréciés puisque j'ai énormément de retours. Donc, si vous aimez cette plateforme-ci, je vous encourage aussi à la zioter, à vous abonner. Et même chose pour YouTube. Si vous venez d'arriver et que vous aimez le contenu de cette chaîne-ci, n'hésitez pas à vous abonner et activer cette petite cloche pour ne pas louper les prochaines publications, sachant que j'essaye toujours de vous réaliser un tirage chaque samedi à 9h du matin. Et je vous rappelle aussi, si vous venez d'arriver sur cette chaîne-ci, eh bien que j'ai créé une playlist avec tous mes tirages intemporels, des tirages que vous pouvez réaliser à n'importe quel moment et on soulève diverses questions. On va regarder par exemple si vous êtes en couple, si la personne avec qui vous êtes a de réels sentiments pour vous. On va regarder aussi à quoi ressemble votre âme sœur, comment va évoluer votre carrière professionnelle. Je vous laisse la consulter si l'envie vous en dit également. Elle s'affiche maintenant, mais également en fin de vidéo. Et on va regarder maintenant les énergies pour vous, amis Balance, pour ce mois de juillet 2021, les Balances. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, chers amis Balance? Quelles vont être les énergies dans votre signe pour vous, mes amis Balance? Les Balances, les Balances, les Balances, les Balances pour le mois de juillet. Juillet, 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 juillet 2021 pour mes amis Balance. Ok, un mois ou de choix à faire, mais ces choix-ci, il va falloir avant tout lâcher prise pour les faire. D'accord? Moi, je vous sens un petit peu incertain. Durant le mois de juillet, et c'est pour cela qu'on me dit qu'il faudrait peut-être que vous arrêtez de vous prendre la tête, entre guillemets. Alors, je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le souci, c'est que à vous poser la question, est-ce que je prends par exemple la couleur blanche ou noire, vous voyez, vous êtes à deux extrémités, vous n'arrivez pas à choisir, et bah, si vous n'y pensez plus, peut-être que finalement même vous allez prendre une autre couleur qui vous correspond complètement. D'accord? Donc vraiment lâchez prise parce que les événements ne se font pas non plus, ne se produisent pas parce que bah, justement vous êtes trop dans le questionnement. Donc pour faire des choix, ne vous questionnez pas trop, tout simplement lâchez prise et allez au niveau de votre ressenti. Ça, c'est vraiment important, hein, cher ami Balance. Alors, on me dit aussi que vous pouvez demander conseil aux personnes qui vous sont proches, hein, si vous êtes vraiment dans une incertitude complète. Hein. On va tirer nos 7 cartes pour vous, mes amis Balance. Alors, les Balances. Balance. Juillet. Juillet 2021 pour mes amis Balance. Une dernière carte pour vous, mes amis Balance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information? Protection, réalisation, mais des ralentissements. Ok, au niveau de tout ce qui est sentimental. Ouf. Au niveau sentimental, bon, ça va être un petit peu compliqué, moi j'ai l'impression, hein, durant ce mois-ci. Hein. Alors. Ok. Alors, déjà. Moi, je vois que peut-être vous, ami Balance, vous espérez qu'il y ait certaines choses qui se réalisent durant ce mois de juillet. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans l'esprit de fréquenter quelqu'un, peut-être que vous avez déjà eu une sorte de date et vous espériez déjà que ça soit ce mois-ci la concrétisation. On me dit que non, hein. Cette carte-ci, elle me parle bien qu'au niveau cœur, vous allez avoir un ralentissement, mais ce ralentissement, vous pouvez rien faire pour qu'il s'accélère. D'accord? Il faut accepter l'attente. L'attente peut-être aussi pour qu'une personne revienne vers vous ou bien pour que vous retrouviez l'amour. Mais malgré tout, vous avez la réalisation, la protection qui va venir, d'accord? Mais ce n'est vraiment qu'une question de temps. C'est comme si votre ange gardien vous disait, ce ne sera pas pour ce mois-ci, mais tu l'auras, d'accord? Patiente. Donc c'est ce qui va se passer pour ce mois de juillet 2021. On me dit aussi que ça va être un mois où peut-être vous allez avoir des petites douleurs
physique, j'ai l'impression. Donc, ça peut être tout simplement tout ce qui est articulaire, problème de jambes, vous savez, au niveau de la circulation sanguine, problème de dos. Bon, vous allez avoir quand même une petite fatigue physique, hein, ça je le sens. Mais par contre, ce qui est, faut faire attention, c'est que si vous avez ces douleurs-ci, n'allez pas outre, parce que j'ai l'impression que vous allez essayer de zapper votre corps, peut-être qu'il vous dit stop. Mais non, il va falloir l'écouter aussi, d'accord ? Ensuite, vous avez des réponses qui tardent. De la vie. Moi, on parle surtout des réponses qui tardent de la vie par rapport à des liens antérieurs, comme si vous vous dites, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal dans une vie antérieure parce que rien n'arrive comme j'ai envie. Peut-être que vous avez envie cette fois-ci d'être en couple, peut-être que vous avez envie de réussir votre carrière professionnelle, ou vous avez un rêve et vous vous dites que bah, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai fait dans mes vies antérieures, ça ne vient toujours pas et pourtant j'attends et j'essaie de tout faire pour que ça se réalise. Mais une nouvelle fois, je tiens à vous le dire, là, le mois de juillet, c'est le mois de la patience. D'accord ? Il va falloir être très patient, mes chers amis Balance. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la réalisation pour vous ? Ok, pas mal de jugements. Très bien, très bien. Bon, ami Balance, alors j'ai comme l'impression que c'est vous qui vous jugez. Parce que cette carte-ci, elle me dit normalement que c'est des personnes qui vont vous juger suivant comment vous êtes, votre personnalité, vos choix. Mais là, j'ai l'impression que c'est vous. Je ressens cette chose, en fait, que vous vous jugez vous-même parce que vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas assez attrayant, peut-être que vous n'avez pas une personnalité exemplaire, peut-être que vous auriez même pu faire certaines choses autrement dans le passé et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Vous vous jugez beaucoup, mais malgré tout, il va falloir un petit peu stopper ceci. Donc peut-être que je vois quand même protection de réalisation, donc vous allez arrêter d'être dans cet état d'esprit, mais en début de mois, vous pouvez être un petit peu trop autocritique vis-à-vis de vous-même. Hein. Alors malgré tout, j'ai un ralentissement. Ce ralentissement, qu'est-ce que c'est pour vous ? D'accord, un ralentissement au niveau de la transformation. Hein. Là, vous vous dites que vous êtes prêt ou prête pour enfin vous transformer, pour enfin éclore, être heureux, passer à autre chose, mais ce n'est pas encore le bon moment ce mois de juillet. D'accord, moi on me dit que vous allez fleurir, éclore, mais vous n'allez pas éclore durant ce mois de juillet 2021. D'accord, mes amis Balance ? Alors, on continue, s'il vous plaît. Pourquoi ? Parce que tout simplement, comme je vous disais, il vous faut un lâcher prise. Peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites « Non, moi je lâche prise », mais finalement non. Vous avez toujours des sortes de blocages et c'est pour ça que finalement, cette transformation, elle ne se fait pas en fait. Vous voyez ? Moi, j'ai l'impression de voir, quand je vois ces deux cartes, vous la fleur et votre lâcher prise, c'est l'eau qui fera que vous allez éclore et grandir en fait. Vous voyez ? Donc, si vous n'apportez pas ce lâcher prise, vous n'allez pas éclore. Une fleur a besoin d'être arrosée. Là, c'est vraiment l'image que j'ai en fait de vous. Par le lâcher prise, vous allez enfin éclore et vous transformer et devenir quelque chose de beau qui va se réaliser. Mais lâcher prise, mi balance. Hein. Alors, au niveau sentimental, ou peut-être une personne qui vous est chère, qu'est-ce qui va se passer pour vous ? Alors, des possibilités de disputes. Ok, donc il y a des possibilités où vous allez avoir des petites frictions avec une personne que vous appréciez pourtant, d'accord ? Ok, ben pourquoi il y aura ces petites frictions ? Parce qu'il y aura un passage à l'action. Par rapport à quelque chose que cette personne va faire ou vous-même, vous allez peut-être faire quelque chose qui ne va pas faire plaisir à l'autre. On me dit aussi que ça peut être quelque chose que vous allez faire, quelque chose que vous allez peut-être dire aussi. D'accord ? Donc bon, malgré tout, qu'est-ce que ça va donner tout ceci par la suite ? Bon, malgré tout, ça devrait aller, d'accord ? Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va pas nous peut-être hyper rancunier, ou même vous, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, bah, j'apprécie quand même cette personne-ci, donc ça serait dommage
de se disputer, de voilà, par rapport à ceci. Mais bon, en tout cas, sachez que il y a peut-être quelqu'un durant ce mois-ci qui va faire quelque chose qui ne va pas vous plaire, quelqu'un que vous appréciez ou c'est même vous vice versa. Hein. Alors, au niveau du corps souffrant, moi je ressens aussi au niveau émotionnel, c'est très compliqué pour ceux qui attendent l'âme sœur parce que vous avez l'impression qu'il ou elle ne vient pas. Hein. Ok, on va regarder ce qu'il en est par rapport à ceci. Malgré tout, je vois la carte de l'événement proche. Donc, vous voyez bien qu'il y a une rencontre forte qui va se faire. C'est très proche. Par contre, ce ne sera pas tout de suite. Mais malgré tout, sachez que ça vient. Ça vient, ça vient. Soyez patient. Ce mois-ci, ce ne sera pas le mois de la concrétisation de l'amour, c'est vrai. Mais bon, il faut y aller étape par étape. Hein. Et des fois, dans la vie, il faut gérer certaines choses avant pour qu'ensuite, ça fonctionne aussi au niveau du couple. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Hein. Et en plus de ça, il y aura vraiment un bonheur total, hein, d'accord? Et on me dit que cette rencontre, très prochainement, ça va vous faire du bien parce que vous aviez l'impression aussi de vous oublier, de vivre pleinement votre vie. Et il y a une personne qui va essayer aussi de vous apporter de la joie, de vous dire, bah tiens, ça te dit qu'on fasse ça ensemble et tout. Et ça va vraiment vous procurer du bien. Donc ça, c'est vraiment très prochainement, peut-être plus à la fin du mois, c'est fort possible, hein. Mais en tout cas, il va y avoir un bonheur total vers la fin de ce mois-ci, même si je vois que les débuts, c'est un petit peu compliqué, les débuts du mois de juillet. Hein. Alors, vous voyez, vous arrivez à un fin de cycle au niveau de vos vies antérieures. Donc, vous allez faire un bilan, ami Balance, un bilan de tout ce qui s'est passé finalement dans cette fin de vie-ci, mais sans le savoir également par rapport aussi à vos vies antérieures, vous allez acquérir tout ce qui s'est passé et vous dire « Ok, maintenant, finalement, il faut que j'entame un nouveau chapitre de vie et ne pas reproduire les mêmes choses. » Mais faites attention à bien suivre ceci, d'accord? Parce qu'on me dit aussi que peut-être, malgré tout, vous ne voulez pas reproduire certains schémas, mais vous allez les reproduire. Il y a certains blocages aussi que vous vous dites « Ah ben non, faut que j'arrête d'être comme si, peut-être que j'ouvre plus mon cœur. » Mais finalement, vous le savez, mais vous ne le faites pas, vous continuez d'avoir ce blocage aussi. D'accord? Donc vraiment, libérez-vous, ami Balance. Moi, je pense qu'il faut que ce soit un mois de libération et de lâcher prise pour que tout finalement arrive, pour que ces réalisations que vous attendez, cette transformation viennent à vous. Alors, on va regarder par rapport aux réponses qui tardent. Alors, vous avez des réponses qui tardent par rapport au travail. Ok, qu'est-ce que vous attendez par rapport au travail? Vous attendez l'acceptation de quelque chose que vous avez demandé. Alors, ça peut être une mutation, ça peut être une augmentation. Je vous laisse voir suivant ce qui se passe pour vous. Peut-être même que finalement, vous avez postulé quelque part. Et vous allez avoir des réponses, en tout cas, qui vont tarder durant ce mois de juillet 2021. D'accord? Donc, bon, vous attendez des choses, mais patience, ami Balance, d'accord? Patience pour ce mois-ci. Et quoi qu'il advienne, vous allez avoir une réponse d'ici l'année en cours. Bon, je sais que c'est loin, hein, mais malgré tout, si c'est en plus pour une mutation ou ce genre de choses, on me dit bien que de juillet 2021 jusqu'à juillet 2022, vous aurez une réponse positive quoi qu'il advienne, surtout si c'est quelque chose de grand que vous voulez demander. Et si vous attendez pour trouver un emploi, bon bah c'est pareil, on me dit que ce sera durant l'année en cours. Je sais que c'est long, un an, mais en tout cas, vous allez peut-être être en attente par rapport à tout ceci durant ce mois de juillet 2021.